Madame, Monsieur, bonjour. Pour ce nouveau podcast d'été, l'Université ouverte de Versailles continue de vous ouvrir ses archives sonores en vous faisant cette fois-ci découvrir ou redécouvrir la conférence La mythologie celtique. Elle est extraite du cycle Les mythologies qui avait été donné lors de l'année universitaire 2008-2009. Cette conférence avait été donnée par M. Bernard Sergent, historien spécialisé dans le comparatisme indo-européen. Il est chercheur au CNRS et président de la Société de la mythologie française. Madame, Monsieur, nous vous souhaitons une excellente écoute. Merci. Parler de mythologie celtique, c'est toujours une chose assez complexe. Disons que nous avons quatre sources, quatre moyens, différent d'en parler, d'avoir des connaissances sur les mythologies celtiques. Mais l'accumulation de ces quatre sources ne nous fournit pas une connaissance exacte, complète de cette mythologie. On n'a pas l'équivalent donc, de ce qu'on a pour la Grèce, pour l'Inde, pour l'Iran. Pour une raison très très simple, c'est que les Celtes anciens n'ont pas écrit. Les Celtes de l'Antiquité n'ont pas écrit. D'accord ? Je parle de Celtes de l'Antiquité. Alors, je rappelle que les Celtes en question, ce n'était pas seulement la Gaule, contrairement à ce qu'on a l'air de penser, enfin, ce qu'on est amené à penser par une imagerie classique, qui a répondu dans l'enseignement français. Les Celtes de l'Antiquité occupaient pratiquement toute l'Europe occidentale, donc compris l'Europe centrale. Le sud de l'Allemagne était une terre celtique. La Grande-Bretagne était une terre essentiellement celtique, l'Irlande était une terre et est restée en partie une terre celtique, l'Espagne et le Portugal étaient des terres en grande partie celtiques, les Balkans, le nord des Balkans ont été à un moment des terres celtiques, le sud de la Pologne a été terre celtique aussi, et le ventre de l'Anatolie, puisque des Celtes vers 270 avant notre ère ont émigré en Anatolie centrale. Donc le centre du pays qu'on appelle actuellement la Turquie était une terre celtique. Bon. Vous voyez donc, je parle ici d'un immense territoire, d'un peuple qui était à l'époque immense, et ce peuple n'a pas écrit. Ça ne veut pas dire qu'il ignorait totalement l'écriture. La preuve, lorsque des Celtes se sont mis à faire des monnaies, vers le IIe siècle avant notre ère, ils ont parfois écrit sur les monnaies, et ils utilisaient l'alphabet grec. Parce que leur monnaie était d'origine. Ils utilisaient des modèles grecs de monnaie. Ils ont écrit en alphabet grec. Bah oui, mais quand on a des légendes, ce qu'on appelle des légendes de monnaie, donc des inscriptions sur des monnaies, ça ne fournit pas des mythes. Voilà. Donc vous voyez, donc ces Celtes en général, n'ont pratiquement pas écrit. Donc la source principale que nous devrions avoir pour parler de mythologie celtique, elle n'existe pas. Nous sommes obligés de passer par d'autres sources. Alors donc, je disais, ces sources, ces autres sources, on peut en gros, les considérer comme de quatre sortes. La première sorte, extrêmement minime, ce sont les mythes celtiques racontés par des auteurs de l'Antiquité gréco-latine. J'y reviendrai, vous verrez que c'est tout petit. Donc, mais ça a l'avantage d'être des mythes contemporains des Celtes de l'Antiquité. Mais ils nous ont raconté en tout et pour tout deux mythes. Donc c'est très peu. La deuxième source, c'est l'archéologie gallo-romaine. Alors là, il faut expliquer un petit peu. Les Celtes d'avant la conquête de la Gaule ne faisaient pas de statues. Ou très peu. Enfin, il y en a, mais bon, très très peu. Et de toute façon, je vous disais, ils n'écrivaient pratiquement pas. Bon, par contre, à l'époque gallo-romaine, c'est-à-dire qu'une fois que les Romains ont conquis la plupart des pays qui avaient été celtiques, vous savez qu'ils l'ont fait. La France, enfin la Gaule, c'est en moins 52 que Jules César achève la conquête de la Gaule, mais dans d'autres pays, en Angleterre, ça a été 50 ans plus tard, en Europe centrale, ça a été à d'autres moments, en Anatolie, ça a été un petit peu antérieurement, en Espagne, ça a été au IIe siècle de notre ère. Donc là, pratiquement toutes les terres celtiques étaient devenues romaines.
Et les Romains, eux, évidemment, avaient une écriture, hein, celle que nous utilisons nous-mêmes maintenant. Bon, alors donc les populations celtiques mais romanisées, enfin, en cours de latinisation, je rappelle que nous parlons, nous, ici, actuellement, une langue latine. Je ne suis pas en train de vous parler une langue celtique, je vous parle une langue latine. Nous avons donc été latinisés. Donc, ces Celtes en cours de latinisation ont consacré beaucoup de statues à des dieux, de statues, d'inscriptions, de dédicaces. Et alors là, nous avons deux choses, disons. Hein. D'une part, les dédicaces elles-mêmes comprennent un très grand nombre de noms celtiques. Nous avons donc beaucoup de dédicaces à des divinités qui ne portent pas des noms romains, qui portent des noms celtiques. Ou plus exactement, le cas le plus souvent, le plus fréquent, ce sont des divinités qui ont un premier nom romain auquel les dédicants ont ajouté un second nom celtique. Hein, vous avez Mars Latobius. Le premier mot, Mars, c'est du pur latin. Mars, c'est un dieu romain. Latobius, c'est du pur celtique. D'accord ? Et ce cas-là est extrêmement fréquent. Bon, et puis nous avons aussi, et ça c'est encore beaucoup plus intéressant, c'est une iconographie. Une iconographie. Hein ? À partir du moment où les gallo-romains, mettons, pour se limiter à eux, font des statues, ils font des statues de dieux, et ces dieux ont des caractéristiques. Hein ? Exactement comme si vous êtes habitué, si vous fréquentez des musées où il y a des vases grecs, vous vous habituez au bout d'un moment à repérer les dieux d'après l'iconographie. Hein. Athéna, elle a toujours une lance et un bouclier. Vous repérez sur un vase grec Athéna. Si vous voyez une déesse qui a un arc qui est accompagné d'un chien, c'est Artémis. Il n'y a pas à se tromper, c'est, même s'il n'y a pas son nom. Alors c'est un petit peu la même chose dans le domaine gallo-romain. Hein. Les Celtes, en cours de latinisation, je répète, ont consacré un grand nombre de statues, ou de figurines, ou de hein, choses comme ça. Et donc, nous avons une importante iconographie. Alors, évidemment, une iconographie ne dit pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Mais, parfois, nous pouvons, grâce à l'iconographie, deviner un mythe. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, tout à fait net. Voilà donc les deux principales sources antiques. Hein. La source donc des auteurs gréco-latins qui ont raconté des mythes et la source locale formée de dédicaces et d'iconographie. Maintenant, nous disposons d'autre chose. Heureusement, nous disposons d'autre chose. Mais alors, cette autre chose est, disons, lointain dans le temps. Ce sont les textes irlandais et gallois écrits disons, dans le Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge et pas le Haut Moyen-Âge. Moyen-Âge central, disons. Hein? Pour des raisons que l'on ignore, on fait des hypothèses, hein? Pour des raisons donc, un peu X, à partir du 9e siècle de notre ère, 9e, donc 9e, vous voyez 9e, sachant que Charlemagne est couronné empereur en l'an 800, vous êtes donc dans le siècle qui commence avec le couronnement de Charlemagne. Donc, au 9e siècle de notre ère, en Irlande, des gens qui étaient assurément des moines ont commencé à écrire ce que d'autres personnes, qui est ce qu'on appelle les philides, c'est-à-dire en gros les poètes qui étaient entièrement dans l'oralité, hein, des poètes qui récitaient. Eh bien, ces moines ont décidé de mettre par écrit ce que ces poètes récitaient. Et c'est ainsi que nous avons un corpus, c'est-à-dire une somme, hein, une somme écrite. Nous avons un corpus de mythes irlandais absolument fantastique. Les Irlandais contemporains du XXe siècle ont commencé, ça avait été commencé dès le 19e, ont commencé à les éditer, ça fait des dizaines de volumes actuels. Hein. C'est donc un corpus extraordinairement riche. Pour des raisons que je vais plus ou moins vous dire dans la suite, nous avons la certitude, nous, c'est qui c'est nous ? Eh ben, les gens comme moi, nous avons la certitude que ces mythes notés à partir du 9e siècle en Irlande
reprennent en très grande partie la mythologie celtique ancienne. Pourquoi? Autant le dire tout de suite. L'Irlande est la seule terre d'Occident qui n'a jamais été conquise par les Romains. Autrement dit, l'ancienne civilisation celtique qui existait en Irlande à la même époque que la Gaule indépendante est restée une culture celtique qui n'a jamais été romanisée. C'était une culture donc entièrement de tradition orale, comme la culture gauloise. Je vous disais que les Gaulois n'écrivaient pas. Et les Philides, donc ces poètes de langue orale, ont donc pu continuer absolument sans coupure, sans interruption, à continuer à raconter des histoires qu'ils pouvaient se raconter de chez nous dans l'Antiquité. L'Irlande a ensuite été christianisée. Mais cette christianisation, donc qui s'opère vers le 5e siècle de notre ère, n'a absolument pas été une coupure. Absolument pas. La christianisation de l'Irlande s'opère par négociation. Elle s'opère par en haut d'abord, hein, contrairement à ce qui s'est passé en Gaule, où elle a commencé par le peuple plutôt très populaire. En Irlande, on dit traditionnellement que c'est Saint-Patrick qui a christianisé l'Irlande. C'est certain que Saint-Patrick a joué un rôle, mais enfin, il n'était pas seul, il y a d'autres. Hein, il y a eu toute une série de gens qui ont participé à la christianisation d'Irlande. Ils sont adressés directement au roi au pluriel. Il y avait beaucoup de rois en Irlande. Et en s'adressant au roi, donc, il s'adressait au sommet de la société. Et donc, le christianisme, l'imposition du christianisme à Irlande a été négociée. Hein. Et cette négociation a compris, entre autres, que tout ce qui était druide et tout ce qui était philide, donc encore une fois les poètes, pouvait devenir ecclésiastique. Hein, je ne vous raconte pas le détail, et puis le détail d'ailleurs est en partie mythique, bon, peu importe. Cette négociation a fait que, quand je parle de négociation, nous avons le récit d'une authentique assemblée, qui s'appelle l'assemblée de Drouin-Keta, D-R-U-I-M plus loin C-E-T-A, l'assemblée de Drouin-Keta au 7e siècle, où vraiment on aurait, un représentant de l'Église aurait négocié avec les druides présents, les philides présents, pour leur dire, si vous vous convertissez au christianisme, vous devenez tous directement des membres de l'Église. Et tout ça sans abandon de leur tradition, du moment que cette tradition était christianisée, évidemment. Si on commençait à dire les dieux du paganisme, ce sont des hommes, par exemple, hein, et non pas des dieux, eh bien, ça passe. Et c'est ce qui apparaît dans les textes. Les anciens dieux, les anciens dieux celtiques apparaissent dans les textes irlandais, sont traités comme s'ils étaient des êtres humains. C'est ce qu'on appelle, hein, en histoire des religions, ce qu'on appelle l'évémérisme. L'évémérisme, ça consiste à traiter les dieux comme si ça avait été des êtres humains. Voilà, donc en gros, les dieux irlandais ont été évémérisés, mais la tradition s'est maintenue. Alors pourquoi est-ce que les moines, vers le 9e siècle, se mettent à écrire tout ça? Bon, l'hypothèse qu'on fait, la plus probable, c'est tout simplement, bon, il faut savoir historiquement, encore une fois, que l'Irlande a été terriblement frappée en tous sens par les invasions nordiques, l'invasion des Vikings. Hein, déjà, la France a souffert, alors pensez une terre océanique comme l'Irlande, mais aussi l'Angleterre. Vous savez peut-être historiquement que l'Angleterre a été annexée à un royaume danois. Hein. Pendant quelques décennies, l'Angleterre a fait partie a été soumise au roi du Danemark. Hein. C'est vous dire si l'influence de ces invasions nordiques a été grande sur les îles. Bon, l'Irlande donc a été extrêmement souffert de ces invasions scandinaves. Tout se passe comme si les moines s'étaient dit à un moment: notre patrimoine est en péril, autant l'écrire. Voilà, ça serait sans doute ça, c'est l'hypothèse qu'on fait, hein, pour rendre compte de cette soudaine mise par écrit des mythes irlandais à partir du 9e siècle. Alors ça commence au 9e siècle, mais ça va se continuer pendant très longtemps, pendant tout le Moyen-Âge. Hein, pendant tout le Moyen-Âge, on met par écrit des récits irlandais, en plusieurs versions, souvent, ce qui est extrêmement riche pour nous, et après le Moyen-Âge encore, hein,
encore au XVIIe siècle, il y a des versions de mythes irlandais qui sont écrites, qui sont manifestement originales, qui ne s'inspiraient pas de ce qui avait été écrit auparavant pendant le Moyen Âge. Hein, c'est ce qu'on appelle, par exemple, un texte du début du XVIIe siècle, s'appelle « Les Annales des Quatre Maîtres ». Donc, quatre savants irlandais se sont réunis pour écrire un bouquin sur les traditions qu'ils connaissaient. On est au début du XVIIe siècle. Voilà. Donc, une tradition qui s'écrit pendant 8 siècles et qui est donc extrêmement riche. Donc, c'est le troisième domaine où nous pouvons avoir des connaissances sur la mythologie celtique. Le quatrième, enfin, est en gros parallèle au précédent. Il s'agit de ce qui s'est passé au Pays de Galles. Le Pays de Galles, comme vous le savez, est une terre de langue celtique. Encore maintenant, le gallois est parlé par 30 ou 40 000 gallois. Hein, les autres parlent anglais. Enfin, c'est en partie conservé. Au Moyen-Âge, tous les gallois parlent gallois. Et donc, vers le 12e, enfin, au 12e et au 13e siècle, donc plus tard que l'Irlande, et donc pour des causes différentes, là, hein, c'est une autre histoire, des gens se sont mis à écrire des récits que nous appelons, ils sont tellement bien écrits que nous les qualifions de petits romans. Et ces petits romans, quatre d'entre eux sont réunis sous l'appellation collective de Mabinogion, M-A-B-I-N-O-G-I-O-N, ou encore au singulier, enfin, si on met le mot au singulier, les quatre branches du Mabinogi. Là, il n'y a pas le O-N du pluriel. Hein? Il y a ces quatre petits romans réunis sous un seul nom, et puis toute une série d'autres, hein? En tout une douzaine. Et ces récits, la recherche contemporaine, tout à fait contemporaine, en gros du XXe siècle, et de celui qui lui succède, ont montré largement que c'était des petits romans à contenu mythologique. Voilà, vous avez donc, je vous ai donc dit, les quatre sources que nous avons sur la mythologie celtique. Et je vous ai surtout vanté, on peut dire, la source irlandaise. Bon, alors pourquoi est-ce que je disais au début, on n'a pas l'équivalent de la mythologie grecque ou de la mythologie indienne? Bien tout simplement, parce que les textes écrits seulement à partir du 9e siècle, et par des moines, ça ne peut pas être la même chose que des textes écrits par des Grecs païens parlant de leur religion païenne. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, outre que les idées ont évidemment évolué entre l'Antiquité celtique et le 9e siècle, les idées ont forcément évolué, ce ne sont pas forcément les mêmes idées qui étaient exprimées, mais en plus il y a le phénomène nécessaire, évident, qu'on appelle la censure. Les moines qui écrivaient ça ne pouvaient pas rendre tel quel ce que leurs amis Philides racontaient. Et déjà, les Philides eux-mêmes avaient dû faire des censures, à partir du moment où ils étaient christianisés. Je vous donne un seul exemple, extrêmement parlant pour moi. Nous savons par toute une série de textes que l'homosexualité était pratiquée dans l'Antiquité celtique de manière institutionnelle, exactement comme en Grèce. Cette homosexualité institutionnelle n'existe pas, a complètement disparu dans les textes irlandais ou gallois. Elle ne laisse aucune trace, alors que nous avons des preuves que ça avait continué longtemps, comme pratique, hein, jusque dans le haut Moyen-Âge. Bon, eh bien, les textes écrits quelques siècles après n'en parlent absolument pas. Il y a eu censure. Il y a eu manifestement eu censure. Les textes qui parlaient d'homosexualité, les mythes qui parlaient d'homosexualité, qui, par exemple, qui donnaient, on peut supposer qu'un mythe expliquait l'origine de l'homosexualité, tout cela a disparu. Un autre exemple, alors ce n'est pas de censure, mais c'est plutôt d'évolution des idées. Lorsque nous regardons l'iconographie gallo-romaine, dont je parlais tout à l'heure, cette iconographie montre beaucoup d'importance donnée aux astres, en particulier le soleil et la lune. L'iconographie les montre. On voit très souvent un dieu, par exemple, avec
d'un côté de sa tête un croissant de lune et de l'autre côté un astre solaire. Enfin, un cercle, avec un rayon, un astre solaire. Autrement dit, le soleil et la lune devaient faire certainement l'objet d'un sinon d'un culte, du moins d'une grande importance rituelle. On en tenait compte. C'était manifestement quelque chose d'important. Dans les textes irlandais dont je viens de vous parler, zéro. À peu près zéro. En irlandais, le soleil se dit Grian. Il y a un personnage des mythes irlandais qui s'appelle Grian. C'est un personnage tout à fait secondaire. Je ne peux même pas vous raconter comme ça de mémoire un mythe se nommé Grian. Hein, c'est un personnage tout à fait secondaire. Donc vous voyez, voilà, les idées ont évolué. Autrement dit, vous voyez, même avec les textes irlandais qui sont pourtant des trésors, des sources extraordinaires, nous n'avons certainement pas l'état ancien de la mythologie celtique. Bon, alors on va revenir maintenant, une fois que je vous ai brossé les quatre grandes sources, hein, on va revenir sur certains aspects que j'ai évoqués au cours de cette première partie de l'exposé. Je vous disais, l'Antiquité nous livre en tout et pour tout, bonjour Monsieur Gorillot, nous livre en tout et pour tout deux mythes celtiques. C'est peu, et c'est déjà ça. Chose curieuse, c'est le hasard des choses. Les deux textes sont attribués à Plutarque, c'est-à-dire que les textes, les manuscrits de l'Antiquité qui nous sont parvenus, nous les donnent comme des textes de Plutarque. Et puis là-dessus, la critique contemporaine s'est mise. On a examiné ces textes et on s'est aperçu que, par exemple, ils étaient écrits dans un style beaucoup plus simplet que l'écriture de Plutarque. Donc, on ne dit plus maintenant ce sont des textes de Plutarque, mais comme on ne sait pas qui c'est qui les a écrits, on dit ce sont des textes du pseudo-Plutarque. Ah bon, c'est comme ça. Vous avez le pseudo-Plutarque, le pseudo-Hésiode, le pseudo-Homère, enfin bon. Mais bon. Donc, voilà, les deux textes viennent de textes de ce pseudo-Plutarque. Alors, le premier nous raconte qu'un nommé Fulvius Stellus, Fulvius comme ça se prononce et Stellus comme ça se pronce. S-T-E-L, S-T-E-2-L, U-S, Stellus. Fulvius Stellus était un homme extrêmement misogyne, tellement misogyne qu'il ne vivait qu'au milieu de ses chevaux, et comme il avait quand même des désirs sexuels, il s'est uni à une jument. On ne rit pas. Ça se faisait beaucoup ce genre de choses autrefois. Et pas tellement autrefois. Et alors là, par contre, ce qui ne s'est jamais fait beaucoup, c'est que la jument était enceinte. Et la jument était enceinte, elle a donc accouché d'un enfant, une fille, que, alors le texte nous dit en toutes lettres, que l'on a appelée Epona. Epona. Et là, quand nous voyons ce texte qui nous parle de la naissance d'Epona, quiconque s'intéresse à la mythologie celtique, ça fait tilt. Pourquoi? Parce que Epona est très bien connue. Je vous parlais de l'iconographie gallo-romaine. Nous avons des centaines de figurations d'Epona dans l'art gallo-romain. Et un certain nombre de fois, je ne peux pas vous dire le nombre de fois précis, on pourrait chercher si ça vous intéressait, le nom est marqué. Hein. C'est très clairement une dédicace, des statues qui sont des dédicaces, des statues offertes par ce qu'on appelle un dédicant, qui offre la statue pour remercier la divinité quelque chose, pour lui demander quelque chose. Hein. Il a marqué le nom, souvent au datif, hein, c'est A Epona, Eponae. Donc nous avons le nom de la déesse. Donc c'est extraordinaire en quelque sorte, que le texte de ce pseudo-Plutarque nous donne le nom d'Epona et que justement c'est une déesse extrêmement attestée dans le monde gallo-romain. Epona est donc deux choses à dire. Primo, sur ses figurations, elle est toujours figurée à cheval, toujours, parfois à Califourchon, parfois en Amazone. Elle est parfois, le cheval est parfois, le cheval sur lequel elle est parfois associé à un poulain.
Elle est parfois associée elle-même à des symboles astraux dont je parlais tout à l'heure, et je vais y revenir. La deuxième chose à dire, c'est sur son nom. Le nom Epona est un dérivé du mot épos, qui signifiait tout simplement cheval. Si vous pensez au latin, en latin, le cheval, c'est equus. Mais le latin equus remonte à un ancien latin equos. Et en celtique, le groupe que est passé à pe. Donc, vous supposez un très vieux celtique equos, comme en latin, devenu épos. Et épona, on ajoute un suffixe na, qui en gros, qui dans le monde indo-européen occidental, forme beaucoup de noms de dieux. Très souvent, les noms de dieux sont en o, en a. Voilà. Donc, c'est la déesse cheval ou la déesse des chevaux, Epona, étymologiquement. Et alors, là, on revient au mythe, au curieux petit mythe que nous raconte le pseudo-Plutarque. Son père s'appelle donc Fulvius Stellus. Il y a des raisons de penser que, ce faisant, le pseudo-Plutarque a purement et simplement traduit du celtique. Pourquoi? Fulvius, ça veut dire le fauve. Donc, ça peut s'appliquer à la robe d'un cheval. Stellus, c'est le mot qui signifie étoile, que nous avons en français aussi bien dans constellation, hein, Stellus, et aussi le mot français étoile, qui est l'évolution directe du français, enfin, du latin stellus au français. Donc, il s'appelle le fauve étoile. Et je vous disais que Epona est déesse des chevaux et qu'elle a parfois des symboles astraux dans son qui l'accompagne. Voilà. Autrement dit, nous avons peut-être bien là un authentique mythe celtique rapporté par un auteur grec. D'accord? Le second mythe celtique est, à mon sens, encore beaucoup plus intéressant. Enfin, dans mes propres travaux, il joue un beaucoup plus grand rôle, disons. C'est un mythe qui nous raconte la fondation de Lyon. Lyon, en France. Alors, on nous raconte que deux frères, l'un qui s'appelait Momoros et l'autre qui s'appelait Atépomaros, avaient reçu un oracle comme quoi l'oracle leur conseillait de fonder une ville à un endroit que leur indiqueraient des corbeaux. Ils arrivent comme ça, en se promenant, au confluent du Rhodanus et de l'Arare, c'est-à-dire du Rhône et de la Saône. Et au moment où ils arrivent, il y a tout un vol de corbeaux qui vient se poser sur les arbres alentour. Ils en concluent donc que c'est là qu'ils doivent fonder une ville, et ils fondent Lyon. Alors là, on est dans un mythe, à mon avis, tout à fait intéressant et encore plus authentiquement celtique que le précédent. Bon, alors allons-y. Lion, en latin, c'est lugdunum, c'est-à-dire l'abréviation de lugudunum. Lugus était le principal dieu celtique. Lugus et Lugus. Hein. Lugus était le principal dieu celtique. Lugudunum signifie très exactement la forteresse de Lug, de Lugus. Il s'appelle Lug dans le texte irlandais. Hein. Donc j'ai une tendance à dire plutôt Lug. Mais c'est en celtique ancien, c'est Lugus. Donc, Lugudunum, la forteresse de Lug. Or, ce Lug, dans les textes irlandais, il apparaît sous forme de corbeau. Autrement dit, j'aurais tendance à dire, le mythe se mord la queue. Et tant mieux. Atépomaros et Momoros fondent une ville là où devaient apparaître des corbeaux et l'appellent citadelle de Lug. Et Lug est un dieu qui a forme de corbeau. Bon, là, on peut être certain que l'auteur grec, en tout cas qui écrivait en grec, qui nous a livré ce texte, donc ce pseudo Plutarque-là, a livré un authentique mythe celtique. Et c'est donc extrêmement précieux, puisque c'est un mythe celtique contemporain de l'époque celtique ancienne. Plutarque écrit au IIe siècle de notre ère. Le pseudo-Plutarque va écrire dans le deuxième, troisième ou quatrième siècle.
Voilà. C'est clair? On rappellera à ce sujet que les noms Lugudunum sont extrêmement fréquents en France. Le plus célèbre, c'est Lyon, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein? Il y a plusieurs villes qui s'appellent Lyon. Je crois que Leyde, c'est aussi un Lugudunum. Hein? Voilà, il y a beaucoup de noms, le nom de ville ou de village maintenant qui ont le même nom. Hein? Donc c'était vraiment un dieu important. Je parlais de l'iconographie. Et je vous disais tout à l'heure, il arrive que l'iconographie pratiquement nous raconte un mythe. Très difficile puisque une iconographie, par définition, c'est statique. Mais voici un exemple qui illustre ce que je veux dire. Il existait dans la Gaule romaine un certain nombre de monuments semblables, à peu près semblables, que nous appelons maintenant en archéologie les colonnes à l'anguipède. Les colonnes à accentuer, l'anguipède, L apostrophe, ANGUIPE, accent grave, DE. Les colonnes à l'anguipède. Il y en avait beaucoup dans le nord-est de la France, Lorraine, mettons, hein, mais il y en avait aussi un peu partout ailleurs. Ces colonnes à l'anguipède représentent, enfin, c'est une colonne donc, et au sommet, il y a un chapiteau. D'accord? Et sur le chapiteau, il y a un motif sculpté. Et ce motif représente un personnage, le plus souvent à cheval. Des fois, il est à pied. Dans l'ouest de la France, il est souvent à pied. Et il terrasse, il est dessus, soit son cheval est dessus, soit c'est lui-même qui appuie la main sur, hein, un personnage allongé, qui a une tête énorme et qui a une queue serpentine. D'accord? Donc c'est pour ça anguipède, celui qui a un pied en forme de serpent. Anguipède. Donc le personnage à l'anguipède, il terrasse un personnage. Hein? Et lui-même tient quelque chose. Alors, quand le monument n'est pas cassé, ce qui est rarissime, parce que depuis 2000 ans, il est tombé de la colonne, il s'est cassé. Quand il n'est pas cassé, quand on trouve suffisamment de morceaux, de la main droite, il tient un objet oblong, comme ça, il s'est effilé des deux côtés, que nous appelons un foudre. Un foudre, c'est-à-dire la foudre au masculin, hein, pour désigner cet objet. Un foudre, c'est-à-dire il tient un objet que nous assimilons, qu'il y a des raisons d'assimiler à la foudre, parce que l'iconographie antique le montre, par exemple, dans la main de Zeus. Hein. Il tient un foudre et il le brandit comme ça, donc il en menace l'anguipède qui est à ses pieds. Il va foudroyer l'anguipède. D'accord? Donc, nous n'avons pas un mythe entier, bien entendu, mais nous avons un motif iconographique qui nous raconte un événement. Un géant anguipède, donc un monstre terrestre, puisqu'il est en bas, il est même allongé, souvent, en général, plus ou moins allongé. Il est foudroyé par un dieu qui, lui, est en hauteur, soit debout, soit à cheval. Bon, et nous avons les moyens de nommer ce dieu. Ah, c'est bien ça. Pourquoi? Tout simplement parce que des inscriptions et des textes romains nous parlent d'un dieu celtique qui s'appelait Taranis. Vous le connaissez tous si vous avez lu Astérix. Ce dieu qui s'appelait Taranis s'explique directement par le celtique. Le nom s'explique directement par le celtique. En breton, actuel, le breton parlé en Bretagne, dans certains endroits de Bretagne, en breton, Taran veut dire le tonnerre. Donc, ce Taranis, c'est de par son nom un dieu du tonnerre, même si les textes antiques ne nous disent pas. Hein, un texte de Lucien nous énumère des dieux, il parle de Taranis parmi d'autres. Il ne dit pas Dieu de quoi il est, mais son nom s'explique directement par le breton ou par le gallois, c'est même Taran. Bon, donc Taranis c'était un dieu du tonnerre. Donc, le dieu qui terrasse l'anguipède sur les colonnes dont j'ai parlé, qui tient un foudre, c'est évidemment un dieu du tonnerre. Donc, nous déduisons que ce dieu s'appelait Taranis. Le dieu qui est donc sur les colonnes à l'anguipède, c'est un Taranis. Voilà.
Et vous voyez donc par là comment nous pouvons utiliser aussi, je parlais tout à l'heure de toutes ces épithèses, enfin tous ces noms celtiques associés à des noms de dieux romains. Nous avons des inscriptions qui mentionnent Jupiter Taranis. Jupiter, c'est donc évidemment le nom romain, et Taranis, c'est le nom celtique accolé au nom de Jupiter. Là, ça colle très bien, puisque chez les Romains, c'est évidemment Jupiter qui fait le tonnerre. C'est clair tout ça? Bon, alors maintenant, parlons un petit peu des mythes irlandais. Hein, bah, je pourrais épiloguer évidemment longtemps sur la partie que je viens d'aborder, la partie gallo-romaine. Mais bon, je répète, on n'a pas de limite. À part dans le cas du cavalier langupède, qui est parlant en lui-même, les textes antiques nous mentionnent un totates. Ah oui, mais totates, à part l'étymologie, tota le peuple, on n'a rien à en dire. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Esus, qui est nommé, par exemple, sur ce qu'on appelle les Plinénautes, que vous pouvez voir à Paris, au musée de Cluny. Esus, bah, on n'a pas grand-chose à en dire. Il est en train de couper un arbre, il y a un taureau à côté de lui. Très bien. Pourquoi il coupe l'arbre? Qu'est-ce que fait le taureau? On n'en sait rien. Hein, voilà, donc c'est le triste état des choses gallo-romaines, hein, qui ne sont pas très parlantes. Donc il vaut mieux aller directement vers les textes irlandais. Les textes irlandais, je le répète, sont extrêmement riches. Et même s'il y a eu censure, comme je le disais tout à l'heure, même s'il y a eu évolution des idées, il est certain que les textes irlandais nous fournissent des clés de lecture sur l'Antiquité. Hein, un grand celtisant français qui s'appelle Paul-Marie Duval a par exemple pu écrire un article qui s'appelle quelque chose comme « Mythe irlandais et monnaie celtique ». C'est-à-dire que c'est des motifs figurés sur les monnaies, il a pu les expliquer directement grâce aux textes irlandais. Sur les monnaies de l'Antiquité, hein, d'accord. Les monnaies d'or, généralement, ou d'argent, faites par les Celtes de l'Antiquité, ce sont des textes irlandais qui ont fourni la clé. Hypothétique, bien entendu. Hein, ce sont des interprétations que propose Paul-Marie Duval. Bon, alors, ce qui est passionnant dans ces textes irlandais, d'abord, c'est l'importance du corpus, comme je vous le disais, et puis, évidemment, c'est sa variété. Elle est considérable. Je distinguerai, en gros, quatre registres dans ces textes irlandais. Hein? Il y a d'abord ce qu'on appelle le cycle mythologique. Ce cycle mythologique concerne les aventures de personnages qui sont réunis sous l'appellation collective de Tuatha Dé Danann, Tuatha, T-U-A-T-H-A, plus loin Dé, D-E accent grave, loin d'Anan, D-A, N-A, deux N. Tuatha Dé Danann, c'est-à-dire, en irlandais médiéval, les peuples, Tuatha c'est un pluriel, mais apparenté au nom de Totates, Tuatha, les peuples des dieux, Dé c'est un génitif pluriel, les peuples des dieux de Dana. Et Dana c'est une déesse irlandaise. Voilà, donc ces personnages appelés Tuatha Dé Danann, ce sont ces personnages dont je parlais tout à l'heure, qui sont typiquement d'anciens dieux évémérisés, d'anciens dieux traités dans les textes irlandais comme s'il s'agissait d'hommes. Et donc les textes irlandais nous racontent toute une série d'histoires sur ces Tuatha Dé Danann. Le principal des Tuatha Dé Danann s'appelle Lug, c'est-à-dire que c'est exactement le Lugus qui donne son nom à la ville de Lyon. D'autres Tuatha Dé Danann sont des dieux de la technique, d'autres des dieux de la guerre. Parlons seulement d'un pour l'instant, un qui s'appelle Dagda, D-A-G-D-A. On le traite comme un nom commun, le Dagda. On dit le Dagda, ce qui signifie le dieu bon. Hein,
Et le Dieu bon, il est bon non pas au sens de sa bonté, mais au sens de sa capacité à faire des choses. On pourrait traduire le Dieu capable, mais ça serait un peu bizarre. Bon, ce Dagda, pour un certain nombre de raisons, il est identifié à l'ancien dieu Taranis dont j'ai parlé. Le mot Taranis n'apparaît pas en irlandais, hein. D'ailleurs, nulle part après l'Antiquité. Ni Totapès, ni Jésus, tout ça, tous les noms antiques ont disparu, sauf exception. Hein. Mais il y a des raisons de les identifier. Entre autres, je vous raconte l'épisode suivant. Le cavalier à l'anguipède dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que de la main droite, il tient un foudre qui va lui permettre de foudroyer l'anguipède à ses pieds. Mais dans l'autre main, dans la main gauche, il tient souvent autre chose. Hein? Et entre autres, il tient souvent une roue. La roue est souvent assez bien conservée, elle était sculptée directement dans la masse de la statue. Hein? Donc elle est plus conservée que le foudre, par exemple. Bon, que signifie cette roue? Eh bien, dans les textes irlandais, nous en avons l'explication. Alors, je vais quand même vous raconter ça. Quand même parler de mythologie celtique, ça consiste quand même à raconter quelques mythes. Alors, celui-là est très beau. Un nommé Elkmar avait comme épouse une nommée Boin. Mais voici que le Dagda, dont je parlais à l'instant, flash sur la nommée Boin. Un jour, il arrive à lui parler en particulier et il lui demande un rendez-vous. Boin est tout à fait d'accord. À ce moment-là, il faut se débarrasser du mari, ce qui est toujours le problème. Et le Dagda, qui a une très grande puissance dans ce domaine, décide d'envoyer le mari faire une course dans une autre ville, enfin, pour autant qu'on peut parler de ville dans l'Irlande de l'époque, enfin, dans une autre localité, et il s'arrange pour que ce qui sera une nuit du nommé Elkmar en voyage soit en fait un an. Il manipule le temps. D'accord ? La nuit de voyage de Elkmar durera, qui pour Elkmar sera un an, sera pour le Dagda et Boin un an. D'accord ? Moyennant quoi, il a largement le temps de rendre visite à Boin, de faire ce qu'il voulait faire avec elle, et de la mettre enceinte. Et elle a le temps d'accoucher. Elle accouche d'un ravissant garçon qui s'appelle Oengus. Oengus, l'unique choisi. Et donc, nous voyons dans ce mythe que le Dagda est maître du temps, puisqu'il peut le manipuler. D'accord ? Dès lors, nous comprenons la roue qui, dans l'iconographie gallo-romaine, est associé au cavalier et à l'anguipède, parce que s'il y a bien un objet dans tout le monde indo-européen qui a servi à matérialiser le temps, c'est bien la roue. Hein? La roue, puisque c'est un objet qui tourne, elle peut métaphoriquement désigner le temps. Autrement dit, le Taranis gallo-romain était déjà maître du temps. Et cela se retrouve donc dans les mythes irlandais. Voilà. Donc voilà un exemple de mythe irlandais, tout à fait intéressant. Bon, alors donc, voilà cet oisa des Danann. Ils sont héros de plusieurs aventures, hein, entre autres des batailles, parce que l'histoire légendaire de l'Irlande parle d'invasion. L'Irlande aurait été envahie plusieurs fois. Et les Tuatha Dé Danann se sont battus deux fois. Hein. Une fois eux-mêmes en tant qu'envahisseurs et une fois contre les envahisseurs. Hein. L'occasion de ces batailles donne lieu à toutes sortes de récits qui sont tout à fait merveilleux, enfin de mon point de vue qui m'intéresse à ça, qui me passionne pour ça, disons, c'est tout à fait merveilleux. Je vous donne un exemple.
Donc, c'est le début de la seconde bataille de Mactoured, c'est-à-dire justement une des batailles où les Toisa de Danann vont se battre. Mactoured, M-A-G plus loin T-U-R-E-D, c'est-à-dire la plaine des piliers. Avant cette bataille, les Toisa de Danann étaient opprimés par un roi issu d'une race étrangère. Le roi s'appelait Bres, B-R-E-S, ce qui veut dire le beau, quoique le mythe ne parle pas de sa beauté. Et la race étrangère, c'est plus intéressant, s'appelait les Fomorés. Fou et Moéré, il y a plusieurs orthographes. Hein. Enfin, bon. Une, c'est Fou et Moéré. Bon, et ces Fomorés, donc, dominaient, exploitaient les Toisa de Danann. Un jour, les Toisa de Danann vont se révolter, mais avant. Avant la révolte, la capitale de ces Toisa de Danann s'appelait Tara. Vous avez le droit d'aller à Tara, en Irlande. Le site existe, c'est un site archéologique qui existe maintenant, qu'on peut visiter. Donc, dans cette ville de Tara, aux portes de cette ville de Tara, arrive un jour un beau jeune homme, lui, très beau, très brillant. Il avise les portiers et il leur dit, voici, je voudrais rentrer à Tara. Les portiers lui disent, mais qu'as-tu comme spécialité ? Oh, répond le jeune homme, je suis poète. Nous avons déjà un poète. Je suis guerrier. Nous avons déjà un guerrier. Je suis charpentier. Nous avons déjà un charpentier. Je suis bronzier. Nous avons déjà un bronzier. Je suis... tout ce que vous voulez. Hein. Il y en a une quinzaine comme ça de métiers énumérés. À la fin, les portiers lui disent, tu vois, nous n'avons pas besoin de toi. Et le jeune homme, qui est lugue, là, les portiers sont quand même interloqués. Ils vont demander au roi de Tara, qui s'appelait Nuada, qu'est-ce qu'on fait ? Nuada dit, bah, laissez-le entrer. Lug entre. Bon, là, je ne raconte pas le détail. Il y a des épreuves, il subit des épreuves. Et Nuada est tellement impressionné qu'il lui cède immédiatement son trône. Voilà. Donc, ce Lug, l'arrivée de ce Lug, va permettre aux Toisa de Danann de se révolter contre les Fomorés. Bon, je vous raconte encore un épisode parce qu'il est, très, très intéressant. Donc, il va y avoir une bataille. Et la veille de la bataille, les Toisa de Danann considèrent que Lug ne doit pas combattre. Ils considèrent en gros qu'il est trop précieux, qu'il vaut mieux le mettre à l'écart du combat. Ils le saoulent. Ah bah, on lésine pas sur les moyens. Ils le saoulent, ils l'attachent. Ils l'attachent à un pilier. Et le lendemain matin, ils partent sur le champ de bataille. Le lendemain matin aussi, Lug se réveille. Il est attaché au pilier. Il se redresse. Il secoue ses chaînes et il part en courant vers le champ de bataille. Et il arrive sur le champ de bataille, les chaînes étant tombées derrière lui. Autrement dit, on ne lit pas Lug. Ce qui est intéressant, dans beaucoup de mythologies, il y a des dieux lieurs. Et un dieu lieur, comme son nom l'indique, est maître des liens. Alors, un maître des liens peut lier, mais il peut aussi délier. Bien sûr. Donc, ici, il est dans un pouvoir fantastique d'être capable de délier. Il sait délier lui-même, alors qu'il avait des liens infrangibles, d'après ce que les copains lui avaient fait la veille. Lug arrive donc sur le champ de bataille et ses adversaires. Alors, ses adversaires, donc, ce sont les fameux Fomorés dont je parlais tout à l'heure, les oppresseurs. Ces Fomorés ont un champion.
Toujours. En terre celtique, on se bat par l'intermédiaire de champions. Comme ça sera après pareil chez les Germains. Hein. Et les Romains ont du mal à digérer l'affaire. Bon, donc on se bat par des champions. Le champion des Fomorés s'appelle Balor. Ce Balor avait un seul œil fermé. Mais si on ouvrait l'œil, et là il fallait 9 personnes avec des fourches pour soulever sa paupière, mais on dirait que je ne raconte pas des choses sérieuses. Donc on soulevait sa paupière, il fallait 9 fourches, enfin maniées par 9 hommes pour la soulever. Là, l'œil était pétrifiant. Hein, un peu comme la Gorgone grecque. Mais c'était un problème pour la Gorgone. Bon, donc c'était terrible parce que l'armée adverse, dès qu'elle tombait dans le regard de cet œil, était pétrifiée. Loug décide de crever cet œil. Maléfique. Il y a un dieu forgeron qui s'appelle Goimniu. G-O-I-B-N-I-U. Si vous parlez breton, ce qui peut arriver, s'il y a des bretons parmi vous, ils peuvent parler breton. Actuellement, un forgeron en breton, c'est le Goff. G-O-2-F. Hein? Si vous connaissez un type qui s'appelle le Goff, par exemple un grand médiéviste français, hein? Le Goff, c'est le forgeron. Le breton Goff, c'est exactement le même mot que l'irlandais Goimniu. Bon. Donc, ce dieu forgeron Goimniu, avec l'aide de 27 apprentis, forge une pierre de métal, enfin, une pierre de fronde en métal, donc. Alors, tout se joue en un instant, hein, à un instant précis. Quand l'œil de Balor va être ouvert, Goimniu, avec ses pinces, lance la pierre de fronde à Loug. Loug, avec sa main, la renvoie immédiatement dans l'œil de Balor. Vous me direz, c'est champion, mais c'est Loug, il a réussi. Donc, il aveugle Balor. Et une fois qu'il a aveuglé le champion des Fomorés, il est clair que la bataille est pratiquement gagnée. Donc, les Toisa de Danann gagnent cette bataille, et plus tard, Loug poursuit Balor, désormais aveugle, bien entendu, il le poursuit, et en bon celte, exactement comme aurait fait un celte de l'Antiquité 1000 ans avant, il le décapite. La décapitation guerrière est la pratique la plus courante chez les celtes de l'Antiquité. Si vous visitez encore en France, dans la France actuelle, vous visitez Roquepertuse dans le Midi, hein, Roquepertuse, la façade, il y a des têtes, des squelettes, enfin des crânes, hein, déposés dans des encoches. Et si vous regardez les monnaies celtiques, vous avez par exemple une sorte de nœud avec des ficelles qui en sortent, et au bout de chaque ficelle, une tête humaine. Hein. Les Celtes de l'Antiquité adoraient les têtes coupées. Adoraient. Et ils décapitaient, ils décapitaient, ils décapitaient. Et les Celtes des textes irlandais décapitent autant qu'eux. Voilà, comme quoi on est en famille. Bon, voilà, ça c'est donc, je m'arrête là pour le cycle mythologique. Hein, je vous disais, il y a 4 choses en Irlande. Le second cycle, extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle le cycle d'Ulster. Bon, Ulster, U-L-S-T-E-R. Vous connaissez l'Ulster, c'est une province du nord-est de l'Irlande encore actuelle. Hein? L'Ulster de l'Antiquité était plus grand que du Moyen-Âge plutôt, était plus grand que l'Ulster indépendant actuel, hein, qui ne fait pas partie de la République d'ailleurs. Voilà, bon, peu importe. Donc alors, les textes irlandais nous parlent abondamment des héros d'Ulster. C'est moi qui dis Ulster, c'est moi, c'est nous, c'est les contemporains. Les gens de l'époque ne disaient évidemment pas Ulster, qui est une forme scandinave, bien entendu. Il disait Ulad, U-L-A-D, Ulad, c'est-à-dire le pays des Ulats. Voilà, les guerriers, c'était les guerriers Ulats. Et ces guerriers Ulats sont les héros d'un très grand nombre d'exploits, hein, soit des aventures individuelles, soit des batailles, là aussi,
Le plus célèbre guerrier oulate s'appelle Cuchulainn. Alors, la prononciation de l'irlandais est spéciale. Cuchulainn, si vous voulez l'écrire, ça fait C majuscule U accentué CHU LRI 2 N. Cuchulainn. D'accord ? Alors, ce Cuchulainn, c'était un gars très jeune, puisqu'il commence ses exploits à 7 ans. Et ses plus grands exploits militaires, il a 17 ans. Quand il arrête à lui tout seul une armée, il a 17 ans. Bon, alors donc, je ne veux pas vous raconter tout ça parce qu'il y en a énormément. Hein, il y a donc des batailles, il y a des aventures individuelles, par exemple celle de Cuchulainn, sa propre initiation, la quête de sa femme, enfin toute une série d'aventures. Hein. Ce cycle d'Ulster est manifestement, et disons que je dirais qu'il a un double aspect. Il a d'une part un aspect proprement mythologique. Il est certain que Cuchulainn est un héros mythologique et que certains exploits qu'il accomplit sont évidemment absolument impossibles. Hein. Par exemple, arrêter une armée tout seul, même à 17 ans, c'est quand même difficile. Bon, et puis toute une série de choses comme ça. Donc il y a un aspect mythologique. Mais il y a un autre aspect, je ne dirais pas historique, pour ça je ne vais pas vous dire les Ulates sont un peuple historique avec un monsieur qui s'appelle Cuchulainn. Je n'en sais absolument rien. Par contre, un aspect sociologique tout à fait clair. C'est-à-dire que ces exploits de Cuchulainn expriment très directement ce que l'on appelle des procédures initiatiques. Cuchulainn, c'est un héros qui réussit mieux que d'autres, bien sûr, puisqu'il est le modèle, mieux que d'autres, les procédures d'initiation. Je vous rappelle que dans les sociétés d'où nous sommes issus, mais nous, ça a un peu changé, toutes les sociétés anciennes d'Europe pratiquaient des initiations guerrières. Hein, les guerriers, la force des jeunes hommes de la tribu, c'était la force capable de protéger la tribu. Et donc, même encore en 14, on dirait. Bon. Et donc, ces jeunes hommes devaient faire l'objet d'un apprentissage. Nous avons des preuves, nous avons des indices, je reviens là-dessus, comme quoi les Celtes de l'Antiquité pratiquaient un enseignement sportif extrêmement poussé. Hein, ce n'est pas ce qui apparaît dans César qui nous les traite comme des barbares. Eh bien non, barbares ou pas, et même des tribus d'Amazonie, hein, on va y dire, César les aurait trouvés encore plus barbares, ça ne fait rien. S'il s'agit de protéger la tribu, eh bien on entraîne les jeunes hommes. Et on les entraîne des fois très sérieusement. Voilà, donc c'est celle de l'Antiquité, ils étaient très sérieusement entraînés. Et donc Cuchulainn, avec tous ses exploits qu'il accomplit, il est un modèle, il est un héros initiatique, qui accomplit des initiations, mais les accomplit beaucoup plus tôt qu'à l'âge normal, et puis beaucoup plus fort, c'est hyperbolique. Hein. Il est donc le modèle initiatique des jeunes guerriers celtiques. Dans un article que j'ai publié un jour, j'explique la chose suivante, beaucoup des peuples celtiques de l'Antiquité portaient des noms qui renvoie directement à des exploits de Cuchulainn. Hein, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Par exemple, là où il y a la ville de Langres, il y avait un peuple qui s'appelait les Lingones. Lingones, on l'explique directement par l'irlandais. Ling, ça veut dire saut, le saut, S-A-U-T. Donc, les Lingones, c'était les gens qui sautent. D'accord ? Or, dans la légende de Cuchulainn, il apprend des sauts. Des sauts guerriers. Hein, il est un sauteur. Il a une spécialité de 6 ou 7 formes de sauts. De sauts pour combattre. Autrement dit, les Lingones portent un nom qui renvoie directement au mythe de Cuchulainn. Maintenant, autour de Dijon et d'Autun, vivait un peuple qui s'appelle les Éduins. Les Éduins. C'est-à-dire en latin, Aedui. Aedui, ça veut dire directement, je vais vous raconter ça linguistiquement, ça veut dire très exactement les ardents. Hein, le nom, le radical Aed veut dire le feu. Et il existe en irlandais. Aed veut dire le feu en irlandais. Aedui, ce sont les ardents. Or, dans un mythe sur Cuchulainn, on nous raconte que revenant de son tout premier combat, au cours de son tout premier combat, il avait été décapité 3 affreux d'en face.
hein, du pays à côté. Il était furieux, dans un état de, genre furieux, c'est-à-dire dans un état de fureur guerrière. C'est-à-dire exalté par le combat extraordinaire et dangereux. Il avait 7 ans. Et il combat 3 guerriers adultes. Dans cette fureur guerrière, il est furieux et cette fureur l'a rendu ardent. Il est tellement chaud, que ses amis, ses concitoyens, les Ulates, ont peur de lui et ils préparent 3 cuves d'eau où ils le plongent successivement pour le refroidir. La première cuve où il a été plongé, l'eau a été si chaude qu'elle a fait éclater la cuve. Dans la seconde, l'eau a seulement bouilli. Et dans la troisième, ça va, on a pu le sortir de l'eau. Donc, Cuculain est un ardent lorsqu'il revient du combat. Et des Celtes vivant, ayant vécu en France, les Éduins, s'appellent donc Aedui les Ardents. Encore une fois, le nom des Aedui fait directement allusion à une action de Cuculain. Alors, bon, je pourrais développer. Hein. J'expliquais donc dans cet article qu'il n'y a pas que deux, il y a plusieurs tribus celtiques qui avaient ce nom qui faisait allusion à qu'on retrouve en Irlande dans des exploits de Cuculain. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que Cuculain est un héros gaulois. Cuculain est une formation comme mot purement irlandaise. Cuculain, ça veut dire le chien de Cuculain. C'est le mot irlandais pour dire chien. En celtique ancien, le même mot, c'était kunos. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, c'est bien une formation irlandaise. Ce que j'ai dit, par contre, c'est qu'il devait exister dans l'antiquité celtique des héros semblables à Cuculain, qui portaient des noms gaulois et non pas des noms encore, ce n'est pas encore des noms irlandais du Moyen-Âge. C'était un nom celtique ancien. Et ces héros, ces ancêtres de Cuculain, avaient déjà des exploits, faisaient déjà des exploits guerriers tels que des peuples comme les Lingones dont j'ai parlé, les Aedui dont j'ai parlé, tiraient leur nom tellement ils étaient inspirés par ces exploits. Tellement c'était des modèles pour eux. Ils se prenaient tous pour Cuculain, autrement dit. Tous les Aedui étaient des petits Cuculain. Tous les Lingones étaient des petits Cuculain. Voilà. Voilà pour le cycle d'Ulster, on pourra y revenir éventuellement. Jamais fait le rond. Bon, donc je termine en tout cas sur les deux autres cycles. Hein. Le troisième cycle dont je dois mentionner l'existence en Irlande, c'est ce qu'on appelle le cycle des rois. Alors, ce cycle des rois, l'Irlande était divisée en 5 royaumes dans l'Antiquité. L'Ulster en était un. Les deux autres, c'était le Leinster, le Munster, le Connaught et le Meath au milieu. Hein, vraiment. Alors, pour tous ces royaumes, des annales ont été conservées. On appelle ça des annales, hein, parce que ça nous raconte l'histoire des rois. On a des textes qui nous racontent de A à Z de l'histoire pour le Moyen-Âge, pour le Haut Moyen-Âge, hein, l'histoire des rois de Munster. L'histoire des rois de Leinster, même il y avait deux, il était partagé en deux, il y avait donc deux royaumes de Leinster. Donc pour les deux royaumes de Leinster, nous avons la série des rois, etc. Hein? Bien entendu, comme toujours, une partie des récits concernant ces rois est en partie mythique. Bien entendu. Hein? En gros, c'est comme très souvent, comme en Grèce ancienne, comme en Inde ancienne, comme dans le monde germanique, plus les dynasties sont anciennes, plus les aspects sont mythiques. Et plus on avance dans le temps, plus on va arriver à des personnages tout à fait réels, aussi réels que vous et moi, et qui ont régné de temps à temps, comme les rois de France ont régné de temps à temps. Hein. Voilà, ça marche comme ça. Bon, donc là aussi, il y a une matière mythique hein, qui a été exploitée, qui a été utilisée par certains auteurs contemporains. Bon, je n'insiste pas davantage là-dessus. Et enfin, le quatrième registre irlandais, c'est ce qu'on appelle le cycle d'Ossian ou encore cycle des Fainéants. Ça n'a rien à voir avec des Fainéants. Hein. Fainéants, F-E-N-I-A-N. Ossian, O-2-S-I-A-N, était le fils d'un nommé Finn, F-I-2-N, et les Fainéants, ce sont tout simplement les hommes de Finn, étymologiquement. Hein.
Bon, alors, là, on est un peu comme dans le cycle Luster, mais de manière très différente. On est encore dans une réalité à moitié mythique et à moitié sociologique. Hein? Les Fainéants ont assurément existé. C'était même, dans le très haut Moyen Âge, les gens qui avaient une sorte de rôle de police et de garde dans la société irlandaise. Un texte nous dit, la moitié de l'année, ils se faisaient loger chez l'habitant, donc la moitié hivernale, pour pas crever de froid quand même, et l'autre moitié, ils vivaient dans la nature. Bon, ces fainéants, donc ça correspond manifestement à une réalité. Hein. Ils ont exercé une fonction sociale dans la société irlandaise, d'où au Moyen Âge, disons en gros, avant que les choses deviennent graves en Irlande, c'est avant les invasions vikings, où il a fallu constituer des armées authentiques. Donc, c'est un autre plan. Hein. Tant que l'Irlande n'était pas trop menacée, hein, ces hommes un peu scouts, quoi, hein, pouvaient suffire. Voilà. Donc, mi-armée, mi-police. Et comme très souvent, ces hommes d'un temps héroïque, de l'Irlande, exactement comme les cow-boys pour nous, hein, ils ont donné lieu, après, à mythification. Hein? Exactement comme nous, on fait des tas de films, enfin nous, pas nous, les Américains font des tas de films sur le Far West, ou les Italiens font des tas de films sur le Far West, hein? Eh bien, les Irlandais ont mythifié ce passé des fainéants, héroïques, hein? Ces jeunes hommes qui vouaient leur vie sauvage la moitié de l'année, et errante. Hein? Ils l'ont mythifié. Et ils le mythifient, comme très souvent, en le personnalisant. Toujours, toujours, hein, c'est plus facile de personnaliser, c'est plus facile d'avoir des individus comme héros qu'un peuple entier ou une catégorie sociale entière. Donc, ils l'ont personnalisé autour de Finn, dont je parlais à l'instant, celui qui donne son nom aux Fainéants, qui était donc leur chef, et d'après le mythe, leur fondateur, autour de Finn, autour de son fils Ossian. Ossian, Ossian. D'accord? Et là, on a tout un corpus de récits. Qui est tout à fait indépendant du reste. Hein. Ça ne touche pas, ça n'a rien à voir avec le cycle des rois, rien à voir avec le cycle d'Ulster, rien à voir avec, encore moins, on peut dire, avec le cycle mythologique dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment un corpus tout à fait à part qui nous raconte des aventures de ces héros. Parenthèse, vous avez peut-être entendu parler de Macpherson. Vous avez quelque chose? Macpherson, 18e siècle? Hein? Macpherson, c'est un savant, c'est un littérateur écossais qui, au XVIIIe siècle, a publié des textes qui s'appelaient, je crois bien, les chants les chants d'Ossian ou un truc comme ça. C'est pas les chants, c'est quelque chose comme ça. Hein. Bon, et ces chants d'Ossian, publiés en anglais, ont eu un immense succès. Immense. Immense. Toute l'Europe cultivée a lu en traduction évidemment les chants d'Ossian. Et ces chants d'Ossian qui racontaient de la mythologie celtique sont directement à l'origine, au point de vue littéraire, hein, j'entends, du romantisme anglais. Et le romantisme littéraire anglais est à son tour l'origine du romantisme continental. Hein. Donc, autrement dit, cette publication de Macpherson est à l'origine du courant littéraire romantique. Donc, un poids énorme dans l'imaginaire européen, presque contemporain. Bon, et puis alors, catastrophe, au 18e siècle, au 19e siècle, pardon, plutôt, la critique, se met sur l'affaire. Et très rapidement, les critiques en question disent, Monsieur Macpherson a tout imaginé. Il n'y avait pas plus de chants d'Ossian en Écosse que de beurre en broche. Et donc, effondrement, non pas du romantisme, qui lui avait pris son envol et qui s'occupait plus de ça, qui n'avait plus besoin, mais effondrement de l'image de Macpherson. Bon, et puis, les choses ont évolué. Les temps ont progressé, d'autres critiques sont venues sur l'affaire, et de nos jours, on est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'on pense que Macpherson avait authentiquement recueilli des traditions en Écosse. Mais
Bien entendu, ils n'agissaient pas en scientifique. Qui dit Martin Dupont, le 3 janvier 2008, m'a rapporté telle tradition que j'ai enregistrée sur un magnétophone. Non, non, pas du tout. Ce n'était pas un scientifique, ce n'était pas un ethnologue contemporain. C'était un littérateur. Et donc, il n'avait pas vu de mal du tout à compléter. Hein ? Il avait donc certainement recueilli authentiquement des traditions écossaises, pardon, et il avait complété. Alors maintenant, estimer la part de ce qu'il a complété et ce qui était authentique, ça c'est pratiquement impossible. Enfin, je ne sais pas si les travaux le font. Bon, voilà. Donc, il n'est pas entièrement un faussaire, mais ce qu'il a raconté n'était pas tout à fait authentique. Je rappelle sur ce point, parce que je ne l'ai pas dit, que l'Écosse est une terre linguistiquement irlandaise. Hein ? Linguistiquement. L'Écosse a été conquise au 6e, 7e, 8e siècle de notre ère par des Irlandais. Hein ? Par des gens qui venaient d'un petit royaume d'Ulster qui s'appelle le Dal Riada. Hein ? Ils ont commencé par débarquer en Écosse, qui est à peu près en face. Et puis, ceux qui étaient installés en Écosse ont commencé à élargir. Hein, et puis, ils ont conquis toute l'Écosse. Ils ont été les premiers à unifier l'Écosse, d'ailleurs. Bon, donc, l'Écossais, ce qu'on appelle l'Écossais, ou l'ERSE, hein, c'est un dialecte l'irlandais. Voilà. Donc, ce n'est pas impossible, c'est pour ça que je disais ça, ce n'est pas du tout impossible au plan matériel que Macpherson ait recueilli du matériel légendaire sur-ancien en Écosse. C'est tout à fait logique. Les Écossais de Dal Riada pouvaient très bien rapporter avec eux du matériel du cycle d'Ossian, du cycle des Fingals. D'accord ? Bon, si je dis maintenant un mot et pour terminer, après je vous laisse parler, poser des questions ou intervenir, me dire monsieur, vous êtes complètement trompé. Bon, je vous ai pour le Pays de Galles, on a une série de textes que nous appelons des petits romans. Ces petits romans, dont quatre d'entre eux forment les Babylonions, ou quatre branches du Babylonie, hein, nous avons reconnu, nous, c'est les contemporains, que c'était de la matière mythologique. Alors, je vous en raconte un seul rapidement, puisque j'ai le temps. Oui ? Bon, c'est la quatrième branche du Babylonie. On nous raconte qu'un roi du nord-ouest du Pays de Galles, le roi s'appelait Math, M-A-T-H, ne pouvait régner que s'il avait les pieds continuellement dans le giron d'une vierge. Je ne comprends pas pourquoi on rit. Dans le Pays de Galles médiéval, la fonction de porte-pied était légale. Il y a un nom en gallois pour désigner ça. C'est une sorte de fonctionnaire royal qui devait garder les pieds du roi. La petite demoiselle qui servait de porte-pied s'appelait Goewin. G-O-E-W-I-N. Dans l'entourage de Mass, il y avait deux hommes, il y avait plusieurs, enfin, entre autres deux qui vont jouer un rôle dans l'affaire. Alors là, ça se complique, excusez-moi, c'est du gallois. Hein? L'un s'appelait Gwydion. G-W-Y-2-D-I-O-N. Gwydion. L'autre, c'est encore pire, s'appelait Gilvaeswy. G-I-L-V-U-F, selon les transcriptions. V-V-A-E-F, Gilvaeswy, W-Y. Bon, Gilvaeswy. Ces deux hommes étaient donc des proches de Mass, des gens de l'entourage royal. Mais Gilvaeswy était très attiré par la petite Goewin. Son ami Gwydion décide d'arranger l'affaire. Vous allez voir que ce n'est pas aimable. Alors, le roi Mass ne pouvait quitter, ne pouvait retirer ses pieds du giron de la Vierge Goewin que s'il y avait guerre. Que s'il allait en guerre. Gwydion, qui a des pouvoirs considérables, vous allez le voir, s'arrange pour susciter une guerre avec le voisin du sud, le Powys. Le royaume de Powys, qui était donc la moitié sud du Pays de Galles. La guerre a lieu, tout le monde va à la guerre, mais dès qu'elle est finie et gagnée par ceux qui avaient attaqué, comme quoi c'est pas juste, Gilvaeswy
retourne à toute vitesse dans le palais royal et viole Goïwin. Il n'avait pas l'amour aimable. Après, tout le monde rentre. Goïwin explique à Mas qu'elle ne veut plus lui servir de porte-pied parce qu'elle n'est plus vierge. Mas demande des explications. Il apprend ce qui s'est passé. Il convoque Gwaedion et Gilwaeswe, qui sont obligés d'avouer. Mas n'apprécie pas du tout, du tout. Il prend sa baguette, parce qu'en ce temps-là, les rois avaient des baguettes magiques. Il prend sa baguette et il transforme les deux responsables, l'un en cerf, l'autre en biche. Et il leur dit, vous reviendrez lorsque vous aurez fait un enfant. Au bout d'un an, ils reviennent avec un guerrier fantastique qui avait la moitié inférieure d'un cerf et la moitié supérieure d'un homme. À ce moment-là, Mas leur dit, vous revenez là. Il prend sa baguette magique, il les touche et il les transforme en faisant alterner la transformation, l'un en sanglier, l'autre en lait. Il dit, vous reviendrez lorsque vous aurez fait un enfant. Un an après, ils reviennent avec un guerrier fantastique qui a la partie inférieure d'un sanglier et la partie supérieure d'un homme. La troisième transformation, je l'ai oubliée, mais enfin, c'est pas ours, je ne sais plus. Enfin, il y a une troisième, et c'est le même principe avec aussi alternance. Bon, mais entre-temps, il a quand même fallu remplacer Goïwin. Et là, Gwaedion dit, bah, écoutez, c'est simple, j'ai ma sœur. Je pense que c'est un drôle. Bon, alors, donc, j'ai ma sœur, Aranrod. Aranrod, qu'on s'appelle Aranrod, roue d'argent. Aran, l'argent, Rod, la roue. Donc, Aranrod, elle s'appelle roue d'argent. Et beaucoup plus tard dans le mythe, on nous apprend que la couronne boréale, donc une constellation, c'est Aranrod. Ou c'est la maison d'Aranrod. Je ne parle pas de n'importe qui ici. Donc, Gwaedion propose sa sœur Aranrod. On fait venir Aranrod. Mais Mas se méfie. Après les coups que l'on fait, que Gwaedion lui a fait, il se méfie. Il tend sa baguette magique et il dit à Aranrod, saute par-dessus. Aranrod saute par-dessus la baguette et elle laisse tomber un enfant. Elle est affolée de ce qui lui arrive. Elle repart, donc elle saute dans l'autre sens. Et là, elle laisse tomber quelque chose. Gwaedion se précipite sur ce quelque chose qui est tombé et l'enfouit dans son propre manteau qui était replié dans un coin. Bon, donc Aranrod est disqualifié pour devenir porte-pied, parce qu'il n'a pas vraiment les caractéristiques d'une vierge. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que va devenir le petit quelque chose. Dès que Gwaedion peut s'en occuper, il va voir ce qui se passe. Et le petit quelque chose qui était dans son manteau a commencé à se transformer en bébé. Gwaedion décide de s'en occuper. Bon, je passe sur des détails parce que c'est long. Donc, il s'en occupe, il l'éduque, ça devient un jeune homme. Et un jour, Aranrod selon les manuscrits, Aranrod apprend que c'est son fils. Et elle n'en veut pas. Elle n'en voulait pas dès le début. Elle s'était présentée comme vierge, elle ne reconnaît pas ses enfants. L'autre a été tué en intervalle, hein, par son oncle qui l'avait pêché comme un poisson. Donc elle ne reconnaît pas ce fils qui est d'elle. Et elle dit, je ne lui donnerai ni nom, ni femme, ni âme. Il faut donc croire, on inverse la sociologie, qu'une femme au Pays de Galles pouvait donner à son enfant des armes, un nom, et une femme. Mais dans le Moyen-Âge assez ancien. Gwaedion va s'arranger à partir de ce moment-là pour ruser et pour faire en sorte qu'Aranrod donne tout de même au jeune homme un nom, une femme et des armes. Alors, on ne va pas raconter tous les épisodes, mais voici celui qui va m'intéresser le plus. Il s'agit de donner un nom. Gwaedion et le jeune homme se transforment en ménestrels, on est au Moyen-Âge,
en Ménestrel, ils viennent au château de d'Arenrod. Elle avait donc un château, Caer. Arenrod, Caer, c'est le mot Caer, que vous avez en breton, hein, dès que vous promenez en Bretagne. Hein. Donc Caer, Arenrod, eh bien, ils viennent dans ce château, ils se font accepter comme ménestrel, comme ça se faisait au Moyen-Âge. Et là, Gwizion, qui a un pouvoir d'illusion fantastique, suscite une flotte de pirates qui arrive. Il la suscite, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Il crée une flotte qui arrive. Et là, il dit à... Alors, évidemment, Arenrod est extrêmement effrayée. Elle est toute seule dans ce château, à part les deux ménestrels. Gwizion dit aussitôt à Arenrod, bah écoute, nous, il n'y a que nous deux pour défendre le château. Il faut absolument que tu nous armes. Donc, elle arme les deux ménestrels. Et voilà qu'elle a donné les armes à son fils, à qui elle ne voulait pas en donner. Et là, sur un des mâts, ou un des haubans, d'un des navires illusoires qui sont en train d'arriver, il y avait un roitelet. Le petit jeune homme, celui qui vient d'être armé par sa mère, qui ne le sait pas, prend sa fronde et envoie une pierre sur le roitelet qui est à plusieurs dizaines de mètres et tue le roitelet. La dame, Arenrod, dit que le petit a la main agile. Là où, Giffes. Ça veut dire que le petit a la main agile. Gwizion lui dit à ce moment-là, très bien, tu as donné un nom à ton fils. Il s'appellera Cléou Laou Giffes. Alors ce qui m'intéresse, moi, et quelques autres, c'est que Cléou, c'est la forme évoluée en gallois d'une forme qui serait Lugus en celtique ancien. Autrement dit, Cléou, ce n'est rien d'autre que l'ancien Lugus qui donne son nom à Lugdunum, le grand dieu Lug dont je vous ai raconté des histoires en Irlande. Hein, celui qui avait été lié, celui qui a aveuglé Balor, qui d'ailleurs a fait en aveuglant Balor un acte aussi extraordinaire en précision que le petit Réou en tuant le roitelet à distance. Voilà. Bon, alors, dans la suite des événements, pour la femme, ils arrivent à fabriquer une femme pour... fabriquer, parce que sa mère a dit qu'il n'en avait pas, donc il faut en fabriquer une. En mélangeant dans un pot trois plantes différentes qui ont le point commun d'être jaunes, il fabrique une femme qui s'appelle donc Blood and Wise, c'est-à-dire celle faite de fleurs. Hein. Blood and Wise donc est donnée comme femme à Cléou Laou Giffes. Il s'installe dans un château et un jour où Cléou Laou Giffes est en voyage, un chasseur qui s'était perdu dans la forêt demande l'hospitalité à Blodéouez, enfin au château qu'elle a. Et c'est Blodéouez qui est seul dans la maison et qui l'accueille. Et là, dit le texte, qui est extrêmement intéressant, ils s'assirent l'un en face de l'autre, parce qu'en gros, elle lui offre à manger, parce que c'est une loi d'hospitalité, elle lui offre à manger. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et à partir du moment où ils se regardèrent, il n'y eut plus un seul élément de leur corps qui ne fût attiré par le corps de l'autre. Ça arrive. Évidemment, l'adultère est immédiat. Et l'adultère se poursuit dans les temps qui suivent, puisque, bon, et bientôt le mari gêne. C'est un problème qu'on a déjà traité tout à l'heure. Hein. Le mari gêne. Mais là, le mari, c'est Léou, c'est-à-dire Lug, Lugus. Un jour, sur l'oreiller, sa femme lui demande, mais dis donc, tu es vraiment immortel? Il n'y a aucun moyen de te tuer? Oh, qu'il dit. Si, il y a un moyen. Il faudrait me tuer. Pendant la messe du Nouvel An, au moment de l'élévation, si j'ai un pied sur l'eau et un pied sur un cheval, sauf que cheval, ça ne se dit pas cheval. Enfin, en gros, si je suis monté,
On ne précise pas l'animal. Si je suis à cheval, mais c'est pas forcément à cheval, d'accord? Et si la lance qui me tue a été forgée pendant un an? C'est compliqué, mais quand on veut. Alors, Bloodwes prévient évidemment son amant, et l'amant se met aussitôt à préparer la lance, il la prépare pendant un an, et à la messe du Nouvel An, je rappelle qu'on est au Pays de Galles au 13e, 12e, 13e siècle, quand c'est écrit, on est au Pays de Galles, c'est une terre chrétienne. Hein. Donc, à la messe du Nouvel An, la Bloodwes s'arrange pour qu'à un moment, son mari se dresse sur une cuve d'eau, mettant un pied sur une cuve d'eau, et l'autre pied, il ne peut la mettre que sur une chèvre qui est là. Et au moment, cela coïncide avec le moment de l'élévation, au moment où le prêtre célèbre l'élévation. Et donc, à ce moment-là, l'amant sort de derrière sa cachette, envoie la lance et tue, enfin, tue, c'est une façon de parler, enfin, il envoie sa lance dans le dos de Jéhu. Jéhu, il ne fait pas ce que vous auriez fait à sa place. Il s'envole sous la forme d'un aigle. Voilà. Donc, Jéhu a disparu, tué, quoi, frappé par la lance. Et l'amant en question peut s'établir avec Bloodywise. Mais c'était compté sans Vision, qui est dans cette partie du. C'est très intéressant, hein, dans ce récit que je vous fais. Autant Gwion est négatif dans la première partie du récit, puisqu'il aide son copain à violer une fille, puisqu'il provoque une guerre qui est une fausse guerre, etc. Hein. Autant il est négatif, autant dans la seconde partie, il est celui qui aide tout le temps, Léo. Léo est son protégé, il l'aide de part en part. Donc il va chercher Léo. Léo qui s'est envolé sous la forme d'un aigle. Passons les détails. Un jour, il arrive chez un paysan. Et ce paysan, il parle avec lui. Ce paysan lui dit, bah, c'est curieux, j'ai une truie qui s'éloigne tous les jours. Elle disparaît, puis elle revient. Et elle a l'air nourrie quand elle revient. Ah, c'est très intéressant. J'ai envie de suivre cette truie. Il la suit un jour. Et elle le mène à un chêne. Et en bas de ce chêne, il voit des bouts de chair pourrie. Il regarde en haut. Et tout à fait en haut, il voit un aigle qui est dans un état de pourrissement, puisque des bouts de chair lui tombent en bas. Léo se dit que cet aigle, ça ne peut être que Léo. Il chante un chant en trois vers, enfin en trois strophes de trois vers, toujours dans toute la magie européenne, le nombre 3 apparaît, hein. Donc trois strophes de trois vers. À chacune des strophes, l'aigle descend d'un cran, et à la troisième strophe, vient se blottir dans ses bras. Et là, Vision prononce des paroles qui font que l'aigle reprend forme humaine. Donc, en gros, il ressuscite le jeune Léo. Jeune, enfin, moins jeune maintenant. Voilà. Bon, dans la suite, je termine très rapidement. Bloodwes est changé en hibou. Ça y apprendra. Léo décide de se venger. Il décide de tuer l'amant en question. Hein. Le duel a lieu à la frontière sud. Disons en gros qu'ils échangent chacun un coup. L'amant lance le premier coup et loupe. Léo, c'est à Léo de frapper. L'amant lui dit, qui redoute. Évidemment, le texte ne lui dit pas, l'amant s'appelle Grenouille Pébourg. Grenouille Pébourg ne sait pas que Léo est un dieu. Évidemment, on est dans un texte chrétien du XIIIe siècle. Il ne peut pas dire ça. Mais enfin, il sait que Léo a une puissance considérable. Donc, il demande à Léo, est-ce que tu veux bien qu'on interpose une pierre entre toi et moi? Léo, qui a une générosité que je n'aurais pas eue, dit d'accord. Léhou tire, envoie sa lance. La lance transperce la pierre et va tuer Grenouille. Voilà. Et on nous dit, le récit se termine en nous disant Léhou a succédé à Mas comme le roi.
Donc voilà, vous voyez ce récit extrêmement mythique, vous voyez de son contexte, extrêmement intéressant, puisqu'il nous raconte les enfances de ce personnage qui n'est autre que le dieu Loug, alors que l'Irlande ne nous raconte pas l'enfance de Loug, il nous raconte plutôt le contraire. Je vous ai raconté Loug arrivant à Tara, une fois adulte, hein, une fois formé, une fois adulte. Le Pays de Galles, lui, nous raconte dans ce Mabinogi toute l'enfance de Loug. Hein. Voilà, et alors donc toute une série de motifs mythiques, hein, tout à fait intéressant. Voilà, alors je ferai comme que je conclue. Hein. Donc cette mythologie celtique, vous voyez comment ça marche. Donc, peu de choses de l'Antiquité, mais pas non plus rien. Il y a des choses utilisables dans l'Antiquité. Ces choses de l'Antiquité sont d'autant plus utilisables qu'on peut les éclairer par des motifs fournis par les textes irlandais et gallois. Lesquels textes irlandais et gallois sont des trésors extraordinaires, hein, qui nous donnent un nombre formidable de motifs mythiques. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas une situation désespérée, c'est simplement une situation difficile. Je vous remercie.